Shalom, nous saluons, ces servantes, aux sœurs, aux amis, pasteur d'a par la grâce. Si c'est pour la première fois, vous venez sur page la bien-aimée, pas oublier, share and like. Je tiens à nous entrer la caille encore à Apostle John Shi. Pour nous faire une vidéo, ça nous est une bonne vidéo liée, la vraiment béni, communauté, nous en raison. Parce que, en pile fois, bien-aimée, nous pensons que bon Dieu, les cafés en pile bagaille, mais nous pas croire que les cafés pour nous. Mais des fois, il y a quelques nous gagnons, il y a quelques maladies, il y a quelques problèmes d'avant Dieu. Nous, ça, nous ne connaissons pas Dieu qui a fait le même. Mais nous, juste sans espoir pour ce que nous avons fait pour nous, bien aimé. His servant apostle John Chi will meet him at the point of his knee. What? My name is Mulifi Pizzo. He says his name is Pizzo. He's from Free State. Today, the problem that I. But how about this is The problem that got me here. 2016. A friend, relative. Nos amis étaient avec moi. In Free State. Qui partit, ne quitte pas ta main, qui dit que tu voulais quitter ta main, qui quitte. Il m'a dit que je suis là, je suis là. In hospital, they couldn't disguise the problem because they are in from the rural areas. They've sent me to another hospital in Bloemfontein. I started in Pelonomi. Again, a doctor in Pelonomi, diagnosed with cancer. Then I went to see the doctor and told him that he was in with the cancer. I was surprised and asking doctor what is cancer is not for black people. Cancer is only for the white people of God, you'll forgive me the way that I am so excited. I couldn't understand my stories. Now I started to go to the different people. Then I went to Universitas Hospital. When I arrived in the hospital, the doctor they told me the same thing that I have cancer. You've got a facial cancer. Now you need to start doing the chemotherapy. Chemotherapy are going to be time and again. Once they put me on chemotherapy. When I got back home, then there was a friend of mine who I grew up with, who's staying in Cape Town. How can Ogata Malin Nagina Lukolo Munag? Honale Ntademu Rudi. And he said that he can go with me to see another, to see the pastor who's going to pray for me.
I didn't have the problem because I was sick. I wanted to get help. Not Bloemfontein, Cape Town. Go crusade. When I arrived there, I was in a crusade. Apostle John Chi. A man of God. You saw me when I was at the back. And he said, there's a person with a towel over the head. You know what happened? He came and he prayed for other people. He was like that. Pastor, I feel like a pastor came and prayed for me. Then I started to see there was a past that was coming out. Clap for Jesus Christ. Man of God, Angrapel. After the man of God have prayed for me, I don't think I will be. I've never thought that my Jwale, ke leboha ntate Modimo. Now I'm thanking the God, the Lord. Because I went and did all the things of the world. I was drinking, smoking, doing all these kind of things of this world. Every Sunday, I have to go to church. I have to go to church. In effect, I got to let it out. It affected me in many ways. In the first place, I've lost my job. Then I had to leave my work. And my ear couldn't hear me. My eye couldn't see. After man of God, he laid the hand of me. Clap for Jesus. Bye, mon Dieu, gloire. La bonheur pour Jésus. Hallelujah. Hallelujah. After 3 days. Après 3 jours. Utwa Cape Town ya Free State bese na mepalama busiu ka ofela. Then I took the bus from Cape Town to Bloemfontein in the evening. Following day, I was supposed to go to the hospital. The following day, I was supposed to go to the hospital. The doctors were surprised. It was only the scratches. The doctor they asked me, man, what happened? Clap for Jesus Christ. The thing is, Jesus Christ is alive. Let me tell you a miracle. The doctors, they took the test again. And they told me that, hey, amen, there's no cancer. You don't know what Hallelujah, God is good. I was so shocked. I was so shocked. The cancer is not even have the trace in my blood. And they say, man, you're going to do the test. Come back again. And I went again. When I arrived, and they did another test. Oh, Jesus Christ is alive. Oh, Jesus Christ. But one more Jesus, people of God, I've never believed that I'll be like this again. You can see my face. I was ashamed of the people. You can see what God can do. 2 years now. You can even see for yourself. I'm a charmer boy. Hey, people were afraid of me. I was afraid of people. I was hiding myself.
I was hiding myself inside the house. If you don't believe, let me tell you something. Your faith is the one that is going to heal you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. I cannot feel anything. I could relax. I cannot feel anything. My I used to hear with only one ear. I was not eating pap. I was only drinking macheu. I was only drinking the liquid stuff. And the God himself. Today, I'm healed. No more cancer in my blood. Hallelujah. Amen. Clap for the miracle working God. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Free cancer. Before we continue, we would like to find out, is there any medical doctor in our midst? Is there any medical doctor in our midst here? Any medical doctor, rise up and come in front. If you are a medical doctor, can you tell us your name, sir? Give me your name. And so, I'm Dr. Malanda. I'm a GP. Here in Johannesburg, I did follow this. I want just to give some insight on this. Testimony and then all this the result I saw here. If you see the picture, tumor was occupying the face. Where tumor had to get occupied to figure. Directly, you can see. Lymphoma. I'm sure many people they hear about it. Lymphoma is a cancer of the one type of the white cells. So they are cancer. Aggressive, those type of cancer. And if they affect on this type of area, yeah. This man was supposed to be like paralyzed. You see the mouth pulling on one side. Because that's how we damage mostly the facial nerves. If you look like that. There is two types of nerves. Two nerves. One from this side here, one from this side here. They are pulling on the symmetric. Now, if the tumor get this place here, where this mouth here was supposed to be that side. Yes, la was supposed to be like that. And I'm sure if you follow properly the video, you will see already that his mouth was going on this side. Yes. To show the extent was the tumor. Now, to see this man without any treatment. Hey! First, let me say, you can't treat this. This is the hand of God. Chemotherapy and they discharge at home. It doesn't work like that. First, chemotherapy is not a joke. Let me tell you. Ask those when they went to chemotherapy, they'll tell you how painful is it, these things. Then they went home. And from there to Cape Town, where they touch, and then they come back. And when they go, they find that there is nothing. Yes, amen. That's the end of God. Clap for Jesus Christ. If I can say, to go on the operation, for example, is a multidisciplinary case. A plastic surgeon, you need a general surgeon, you need an oncologist. A team must come here. Otherwise, no ways. Ça veut dire que pas de moyens parce que quand t'as coupé pour retirer le cancer à l'entumeur, et le fils font pas de plastique surgery pour un jeu figure, t'as pas de gros de travailler là. Oh, Jésus fait by plastic surgery. For me, oui. I don't have a doubt that God exists. Ah, sous tes doutes, mon Dieu existe. Témoignage, t'as fait tout le monde vivant. The way the Holy Spirit is moving nowadays. Hey, Jean-Moël, if you, you see a medical doctor,
you still be behind. You need to join the Holy Spirit to go. Nous besoin vin joine bon Dieu. Help other people. For Jesus Christ. Alléluia. Vin joine Jésus. Vin joine Jésus pour laver cœur nous, vin laver l'esprit. For you to be here, you must put it in your mind that you are having a cup of honor in front of you, and then the way God was using and still using this man of God is, I say, amazing. Something like 8 years that I know this man of God. And let me tell you, God is in him. Ça son bagage extraordinaire. Alléluia pour grâce. Bagou de gloire. Ça c'est un bon tout bon. My name is Dr. Ramanyimi. Ça son l'autre docteur quoi que le docteur Ramani. What my colleague just said is perfectly true. A lymphoma can be treated by just one episode of chemotherapy. So it's really a miracle of God. Non, ça son miracle. Such a perfect improvement from the way the person was. It's really a miracle. Myself, as I'm working in the hospital, we do deal with a lot of cases like this. And it's something that's called prognosis. It's how it's the prediction of what the cancer would actually turn to, and most of them, they don't actually improve. So to see him like this, actually great miracle. Clap for Jesus Christ. No, ça c'est Jésus. Bible de gloire. Eh, Bible de gloire. Medical report waga wabu andadi. My medical records from the hospital. Medical records from the hospital. This one is from cancer. That was stating that I had cancer in my body. Ça c'est pas bien qu'il ait dit qu'il me fait cancer dans mon corps. This one is from melanoma positive cancer. Ah, on a le cancer mon body là. There's nothing like cancer in my blood. There's nothing like cancer in my veins. Even if I can go tomorrow and do another checkup. I don't have anything like cancer in my body. Clap for Jesus Christ. Okay, the first medical report is showing that you had cancer before you came for prayer. And the second medical report showing that you don't have cancer any longer. I can speak a lot about Apostle John Chi. As I'm putting God first. As the Lord is the one that gave Apostle John Chi the power. The one to heal the people. God is the one that comes first. Apostle is a person like us. But he's been sent by God. To heal the people that like me. Clap for Jesus Christ. Yes. On monde qui t'a marché dans club temps pour Jésus fait grâce. OK? Monsieur ça pas même créti sous son What I can say, the first time I saw him it was in Cape Town. Man of God. I just want to tell people about the man of God. My advice that I can say, I know there are people that are sick. When Apostle touched me, I feel something. I feel something in my body. It's been 2 years now. I'm free. I'm free. Clap for Jesus Christ. Bien-aimé, nous dit mon Dieu, merci qui ba nous opportunité pour nous te share vidéo ça avec ou. Parce que nous voulons pour connaître, bon Dieu t'a pensé avant là, bon Dieu t'a travaillé pour ou, il continue à travailler pour ou. Vidéo ça nous porte le vini, c'est juste pour strength
nan mou, l'esprit ou kè ou, pou kapab konne pa genye, bon Dieu pa kapab fè, et sou son moun ki fè cancer, ou son moun ki fè fwa, n'importe vie maladie ou fè, docteur pa kapab fè, pou spécialement ou en Haïti, ki te mdou manye écran télévision, pendant monsieur sa témoigne, prophétie pour youn, prophétie pour tout, guérison pour youn, guérison pour nous tout, la vie pour nous youn, la vie pour nous tout, délivrance pour une délivrance pour toutes. Et puis Holy Spirit là même a continué faire route ensemble avant. Bien-aimé, nous faut faire mon Dieu confiance. Ou même qui malade qui besoin guérison, ou même qui entravé, ou même qui pas ou en haut pas en bas, sous son monde tout cap vivre aux États-Unis tant qu'on me dit mais pas débarquer non en Afrique. Allez dans email là, mais email là, allez dans email là, joindre nous dit là et puis dans email là ou prend contact ensemble avec yo. Moi même c'est non moi c'est seul d'azami ou si gon moun tout qui t'a toujours besoin à prier son haïtien yo t'a besoin prier t'a toujours prier ou demande prière ou dans numéro ça ouais à là cap gardole puis moi même appliquer bon dans la prière me garantir ou bien-aimé pas gain distance pour nous même jodi que mon Dieu ben nous que bon Dieu gardo c'était servante au seul zami ou parce qu'elle d'a pas la grâce. Amen. Ok, bien-aimé, ça sont l'autre vidéo, nous pote pour encore. N'a cherché ensemble avec nous, ça c'est une jeune fille, malade, kawé, qui fait zona, ou même qui a maladie peau. Il fait zona. Bien-aimé, nous pote une autre vidéo pour vous. C'est qu'il y a une jeune fille, vient avec un papier qui dit qu'elle fait zona. Mais nous pouvons reconnaître exactement des polyens, qui a regardé. What is that? Our battle is not flesh against flesh, but spirit against spirit. Flesh, corps, avec corps, mais l'esprit avec l'esprit. I can't even go to school. I can't even do my butt on my. I can't do anything in the house. We are called upon to battle against spiritual entities. Elle est en train de recevoir le toucher divin. Regardez votre écran, chers téléspectateurs. Regardez dans l'écran. Faites une requête sur l'onction qui est disponible. L'Esprit de Dieu. Regardez sa réaction sur l'influence du Saint-Esprit. Le serviteur de Dieu. L'apôtre John Chi entre dans l'administrer la prière de la foi. Yes, my daughter, my daughter. Yes, that's it. Continuez, regardez votre écran, chers téléspectateurs. Elle continue à vomir les substances toxiques, les gouvernements mondiaux, les princes des ténèbres. Merci Jésus. Mais la bonne nouvelle est celle-ci.
Dieu nous a donné sa parole. Bon Dieu, bah, sa parole, parole est l'épée dans l'esprit. Parole, mon Dieu, c'est. Continuez à regarder votre parole, mon Dieu, confiance. Gloire à Jésus. Avec le nom de Jésus-Christ. Et qui surpasse tout autre nom. À la mention de ce nom, toute maladie doit fléchir. À la mention du nom de Jésus-Christ, toute maladie doit fléchir. Le nom de Jésus. Mon cher téléspectateur, toujours en direct, dans la chambre de puissance, ce ministère de l'âge. Alors, l'interprète de la Pojonchi lui a ordonné de se lever. Connaître la présence de Dieu, c'est connaître sa puissance. Votre conscience. Glory to God. Merci Jésus-Christ. Et évidemment, la réponse est de Dieu joyeux. Mais Jésus t'a prêté là. Mais Jésus te veut, maintenant. Mais Jésus te veut. Regardez votre conscience. Connaître la présence de Dieu, c'est connaître sa puissance. Connaître sa puissance, c'est connaître la guérison. Alléluia. My name is Lambi and I'm 19 years old. The person standing next to me is my elder sister, my niece and my mom. The problem that brought me to the ark of God ministry was the problem of zonal fire burn. It all started when I went to take care of my mom that was sick. So as I went there, I took care of her, but after 2 days, I had a dream in the night that someone poured hot charcoal on me. I just happened to wake up the following morning. I noticed my body was peeling off. It was swollen. Elle nous explique que le problème qui l'amène ici au ministère des Haches d'Alliance de Dieu, c'est un problème de brûlure spirituelle. Elle est allée rendre visite à sa mère et après avoir pris soin de sa mère, deux jours plus tard, elle a eu un songe là où on a versé le charbon chaud sur elle. Et lorsqu'elle s'est réveillée le matin, elle s'est rendue compte que son corps était déjà enflé. I've been having other dreams, but this one, when I dreamt, I woke up, I saw it on my body. So it was very serious. Then I could not take my bath. I was restless. I could not sit for long, neither could I stand for long. Et elle nous explique qu'elle a toujours eu des songes, mais ce songe était particulier parce que ça se manifestait en elle physiquement. Elle ne pouvait pas dormir, elle ne pouvait pas s'allonger, elle ne pouvait même pas s'asseoir longtemps. Donc ça a vraiment perturbé sa vie. We went to the hospital, we did so many medical checkups. As you can see on the body, but they could not find any sickness because it was something spiritual. So we decided to come and seek the help and the intervention of God. And we came here, we were booked in the prayer line, so we came the following Sunday. And we went to the prayer line. Visited Diab. Avant que wa ka you witch doctor. Avant qu'on perd du temps ou visiter Jésus. Consulter Jésus. Lorsqu'on sont chrétiens ou attaqué en bas esprit démon méchant qui cache dans feu noir pour faire souffrir. Ou pas checker pour witch doctor ou gamambo. Yo pas ka guéri ou. C'est Jésus qui ba mon la vie. Commencez. Mais Jésus l'a t'a cherché. Jésus l'a t'a fait 40 jours pour lui. Jésus l'a t'es dans feu noir. Jésus t'es dans 7 jours. 40 jours du jubilé. Oh, Kai Sœur Mireille, Kai Pasteur Raphaël, Kai Pasteur Prudent, Kai Pasteur et Sœur Nadège, Kai et Grégory, Jésus ça a vint jouer nous live. Alléluia. M'pote le baou, je dis, on pas gen raison pour marcher dans fer noir. Même moun, mon Dieu, choisi. Mon Dieu, mettez onction sou yo pour yo guérir malade. Si moun pas gen onction, ou pas ka guérir, ou pas ka délivrer, ou pas gen solution. Jésus parele ou. Jésus rele moun ni ba yo onction, pouvoir, autorité, pour yo délivrer moun nan tête chargée. Nous même haïtien on veut genou. Jésus à la porte, la rele nous pour nous venir changer cœur nous, changer l'esprit nous. On nous continue attendez. Jésus gen pitié, Jésus gen mon livre sauveur. The man of God laid his hand on me and said in the name of Jesus, receive your healing. And since then I received my healing because I had faith. I believe that Jesus will do something wonderful. Since then, I was healed. I've been able to take my bath. I could eat. I could see. And after 1 week, the wound dried all. And my body was okay and normal. After 1 week, the wound dried all. And my body was okay and normal.
Chers téléspectateurs, lorsque Jésus guérit, guérit pour de vrai. Amen. Elle nous explique que ce problème l'a vraiment donné beaucoup de douleur. Elle a marché des hôpitaux en hôpitaux pour chercher des solutions, il n'y avait pas. Voilà comment elle a pris la décision de chercher la face de Dieu. Elle est venue ici au ministère de l'Arche d'Alliance de Dieu. Elle a eu le privilège de passer à la chambre de puissance, là où le serviteur de Dieu, l'apôtre John Chi, a prié pour elle. Elle a reçu sa guérison une semaine plus tard. Et au jour d'aujourd'hui, tout est sèche. How did you feel when the man of God, Senior Apostle John Chi, ministered spirit-filled prayer to you in the power room? I felt different. I felt relieved. The pains that I felt before, I could not feel it again because my one side body was very heavy. Before, I could not bend. I could not sit for long. But after the prayers and the deliverance, I felt relieved. I could bend. I felt my body was at ease. And I thank God for using Apostle John Chi to heal me. Elle nous explique que lorsqu'elle est arrivée ici au ministère d'âge d'Alliance de Dieu, elle avait beaucoup de douleurs. Et lorsque l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, a prié pour elle, à l'instant, elle a reçu sa guérison. Les douleurs qu'elle ressentait, ne ressentait plus. Comme elle ne pouvait plus s'asseoir, elle pouvait s'asseoir, elle pouvait se courber. Jusqu'à aujourd'hui, elle peut tout faire qu'elle ne pouvait pas faire en ce moment de maladie. When I had the burn, I could not eat. I could not take my bath. They had to take care of me like a baby. I could not even sit for long, neither could I even stand for long. I could not sleep. When people are sleeping in the night, I was always restless, feeling pains. But after the deliverance, I slept like a baby. I slept, I woke up at 10 the following morning, or which before I could not do it. I could eat. I could do so many things, and I can go to school now and sit and study very well. Thank God. Elle nous explique les choses qu'elle ne pouvait pas faire par avant qu'elle ne reçoive la prière de l'homme de Dieu. Qu'elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait pas s'asseoir, elle ne pouvait pas s'allonger, elle ne pouvait pas aller à l'école. Mais au jour d'aujourd'hui, elle peut aller à l'école, elle peut manger, elle peut jouer. So can we listen to the people standing next to you? My name's Lois Lambi Malangé. The person standing beside me is my sister. Ça c'est sœur moi. My daughter and my mother. Ça c'est ma maman. Elle nous présente les personnes qui sont à ses côtés, sa petite sœur, sa fille et sa mère. I just want to thank God for what He has done for the life of my sister. Elle vient remercier l'Éternel pour ce qu'il a fait dans la vie de sa petite sœur. So can you tell us how this problem in the life of your sister affected your life and your family as a whole? It was not just easy. Pas jamais facile. She couldn't bathe. I was the one bathing her. I was the one taking her to the toilet. The pains that she was passing through. It's only God alone who knows what she was passing through. Elle nous explique que sa petite sœur passait vraiment le moment très difficile lorsque elle avait cette maladie. Que c'est elle qui la baignait, c'est elle qui la transportait là où elle pouvait aller. So I just want to thank man of God. For healing my sister. You mean you want to thank Jesus Christ for using his servant Apostle John Chi to heal your sister? Yes. Praise God. Elle remercie l'Éternel d'avoir utilisé son humble serviteur, l'apôtre John Chi, de pouvoir amener la solution dans la vie de sa petite sœur. My name's Ahanilo Malange Ewese. I want to thank God for using man of God to heal my sister. Alors, les spectateurs, elle remercie le Seigneur d'avoir utilisé son serviteur, l'apôtre John Chi, d'avoir guéri sa sœur. Citizen of heaven. My name is Anna Lambi. This is my daughter. I just want to thank man of God. John Chi. Wait, wait, one for my family because wait, through this picking, I don't see changes for my family. That question, Mama is saying her name is Mrs. Anna Lambi, and she just wants to thank God. Non seulement elle prend guérison, mais toute famille en délivrée. Tout pense qui se tout dévot, tout est gens diable t'a vini dans vision, voyez maladie sous mon lèvre. Non, parce que c'est fini.
Bon Dieu recouper toute relationship qui t'est gain entre famille ça avec madame qu'on y a les fruits parce que Satan on les Satan on femme on Satan on la vie c'est pauvreté saleté madame on sale seulement la régler mais les Jésus visite au libre la vie ou t'es look ou vie léger en nous bail bon Dieu gloire pour ça. For using his servant apostle John Chi for touching not only the life of her daughter but of her family as well. La maman nous présente ses enfants et sa petite fille. Elle dit remercie le Seigneur d'avoir utilisé son serviteur l'apôtre John Chi d'avoir guéri sa fille. So can you show to the people of God what God has done for you? Connaît que des fois que doit use une situation et puis pour c'est pour la vie éternelle ou vous comprendre nous que doit dire situation ça type dit ça t'a pas duré hein c'était pour guérir toute famille hein mais vente li kounia la mais quoi oh merci Jésus eh Jésus m'en vivant mais Jésus vient délivrer nous merci Seigneur ou venez vrai fais nous grâce papa. Merci Seigneur qui te nous donne une chance pour nous recevoir. Meni, ouais mes colis qu'on y a là, mes colis en vent. Mon Dieu, t'as des hands together for Jesus Christ. Qui vient d'endormir, qui voyait charbon dire fini depuis les tables. Can you tap the place? Do you feel any pain? No, I cannot feel any pains again. No more pains. I'm free. Can you bend? Yes, I can bend. Twist yourself so that the people of God can see if the pain is still there. No more pain. Put your hands together for Jesus Christ. No more pain. Put your hands together for Jesus Christ. Voilà, elle est guérie de cette maladie. Il n'y a plus de brûlure, de signes de brûlure. Il ne reste que de cicatrices, toutes asséchées. Eh bien, remercie l'Éternel pour ce qu'il a fait dans sa vie. So, madame, can you tell the people of God which document we are seeing on the board? Est-ce qu'on a dit nos documents qui s'allient? As you can see on the medical, the medical checkup we did, and there was no cure to it. So you mean when you had this attack, you moved from one hospital to the other and no solution was provided? No. And when you came to the Ark of God's Covenant Ministry and you received prayers from God's servant Apostle John Chi, what is the final result? I was healed completely, the wound dried completely, and my body became normal the way it was. Elle nous présente les rapports médicaux. Docteur dit pas de mal, pas de médicament pour maladie ça. Mais Jésus a servi, mais ça le café. Le docteur dit tout bagaille fini. Hey, point final. Jésus dit hey, campé là. Point. Allez à la ligne. Hey. Mais Jésus noir, il vient délivrer nous. Docteur dit pas de maladie. Jésus Kai apostle John Chian. Bon Dieu prophète Tibi Joshua. Hey, guéril. En avant chrétien yo. Mais les souliers dans pieds nous, mettez belle nous sous nous, mettez ceinture dans rein nous. Jésus vini la caille nous connier. Moment difficile, elle allait des hôpitaux en hôpital pour faire des tests, des examens, mais il n'y avait pas toujours de solution. Et lorsqu'elle est arrivée ici, c'est là où elle a eu sa solution. Amen. As you can see now, I'm free, I'm healed. My body is okay, my body is fine. I can put on dresses, I can go to school, I can sit, I can do my normal duties. So tap the place. Are you still feeling any pain? Tap both sides. Hey, mais are you feeling any pain? No pain. I'm relieved. I'm free. Put your hands together for Jesus Christ. So for this wonderful thing that God Almighty has done to you, what is your promise to God? My promise is to serve God the rest of my life. I believe that in God, every situation is solved. Elle promet à Dieu de suivre Dieu selon sa parole pour le reste de sa vie. My advice is that people that have problems like mine or more than mine, they should run to God and they should have faith and be patient because God's time is the best. Elle donne des conseils à tous ceux qui ont les mêmes problèmes que elle ou plus que elle. Que lorsque vous avez ce genre de problème, allez-y vers Dieu. Parce que la solution est entre les mains de Dieu. Amen. So, we thank God for this mighty healing which you have received, and we pray that God will give you the grace to maintain it in Jesus' mighty name. Amen. Put your hands together for Jesus Christ. Nous disons Dieu merci, bien-aimé, pour des vidéos, ça nous a été pour vous.
c'est des vidéos vraiment, vraiment, vraiment importantes parce que nous avons besoin de montrer où que bon Dieu a servi, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guérir. Vous comprenez? Que, ah, je suis content. Là, moi, je suis content parce que moi, Jésus a travaillé. Aïe, Jésus, ça m'a tendu. Ce n'est pas aujourd'hui, je suis venu, je suis cherché, ça fait Michel ensemble avec nous à travers ces vidéos nous prophète Tibi Joshua que mon Dieu t'a utilisé bien aimé ça pour être capable de travailler avec des hommes que lui-même il imparté recevoir grâce là et puis avant que l'aller l'imparté yo li choigne yo et li quitte yo là pour continuer faire travail là que mon Dieu bénou que mon Dieu garde yo Seigneur nous merci. Nous merci. Là nous on bagaille ça au cœur nous content parce que nous est chez y a travail. Gien hope. Gien espoir. Gen hope, gen espoir. Hallelujah. Gen hope, gen espoir. Nous nous merci et nous continuons bon gloire. Pour travail, ça va faire dans la vie chaque semaine, chaque servante. Continuez à délivrer, continuez à guérir, continuez à bénir. Continuez à délivrer, Holy Spirit. Continuez à bénir, Father. Continuez à guérir. Holy Spirit, have your way. In Jesus' name. Amen. Thank you, Father. Pas oublier bien-aimé, share like si c'est pour la première fois tomber sur page là sous besoin ouais gros bagage bon Dieu a fait tout effort moi pour même pour capable prendre tout petit bagage pour nous net parce que malgré nous manque rien dans bagage bataille ça bon Dieu mener là. Témoignage c'est pour ba au cœur force, comprendre l'eau est témoignage c'est pour Jésus lié. C'est comme ça Jésus joint gloire. On mange Jésus joint gloire dans témoignage. Li bon lorsque bon Dieu font bagaille pour balter ou témoigner parce que Jésus joint gloire dans témoignage parce que témoignage aide l'autre nom li aide l'autre corps ou même qui cher vidéo ça autour ou recevoir grâce pendant mes bon Dieu parce que vidéo ça yo mais pote yo vini pour nous capable chuter combien moun qui malade depuis qui voit vidéo bon Dieu béni en avant bien aimé n'a fait travail là ensemble travail là pas travail moins c'est travail pas nous lié parce que Jésus voye yo ba nous juste pour capable aider spécialement servant serviteur nous en Haïti yo pas parler anglais mais que mon Dieu capable béni yo dans travail ça. Shalom shalom. Bon Dieu béni ou, on n'est pas manqué, on n'est pas perdu, on n'est pas crasé, mais toute bagaille était là, elle était seulement en bas pour voir, bon Dieu. Bien aimé, on a fait tout effort nous pour nous continuer à travailler ça pour vous. Et nous, très prochainement, on a venir avec plus de bagaille que bon Dieu lui-même, Michel, ensemble avec nous. Shalom, shalom. Bye bye.